Salut à tous, c'est le troisième numéro de l'actu. On est là à l'Assemblée nationale, à moins d'une heure de la reprise de la séance sur le pouvoir d'achat où nous menons une bataille importante. Et vous êtes désormais 85 000 abonnés à la chaîne YouTube. Alors, si ce n'est pas déjà fait, ben, abonnez-vous parce qu'on va faire en sorte que ce numéro de l'actu soit assez régulier. La première chose dont je voulais vous parler, évidemment, ce sont ces incendies spectaculaires qu'on a vus partout dans le pays, des milliers, des dizaines de milliers d'hectares qui brûlent, spécialement en Gironde, mais aussi, vous l'avez vu, dans beaucoup d'autres régions. Je pense au Finistère, en Bretagne, où franchement, on n'a pas l'habitude de voir des incendies. On peut parler de méga-feux. Alors, on nous rappelle souvent que la plupart des incendies ont souvent pour origine l'activité humaine et directement l'implication humaine. La vérité, c'est que quand vous avez à côté de ça des températures extrêmes comme celles que l'on a pu connaître ces derniers jours, avec des pics à plus de 40 degrés et une canicule exceptionnelle, bien évidemment, tout ça aggrave la situation. Ces méga-feux et ces épisodes caniculaires, les scientifiques nous disent qu'on va être appelé à les rencontrer de plus en plus régulièrement et que sans doute, ils seront de plus en plus sévères. Ça prouve bien que face au changement climatique, il y a deux grandes choses à faire. D'abord, mettre les moyens, le paquet, pour préparer une société d'entraide résiliente face aux chocs qu'on va avoir à affronter. Par exemple, dans le cas des incendies, la question mérite d'être posée de savoir s'il ne faut pas des moyens supplémentaires. Et nous pensons qu'il faut des moyens supplémentaires en termes de flotte, des moyens humains, pour affronter des incendies qui sont d'envergure exceptionnelle. Mais à côté de ça, il faut aussi maintenant véritablement passer à la planification écologique et tout faire pour faire respecter la règle verte dans ce pays et faire en sorte que la France mette en partage ses pratiques avec d'autres. Parce que pour le moment, on voit que le gouvernement n'a rien prévu. C'est un gouvernement qui est à la traîne, qui fait que la France est à la remorque sur tous ses objectifs en matière de transition énergétique. Je pense par exemple aux renouvelables. Vous savez que le gouvernement français a permis ce fait que la France est le seul pays de l'Union européenne qui ne respecte pas ses objectifs en matière de renouvelables. Maintenant, il ne faut plus mégoter, il faut mettre le paquet. On voit qu'on n'a plus le choix, d'autant que les scientifiques nous préviennent que d'ici à 2050, ça va être des épisodes de canicule où on ne va pas avoir des températures de 40 degrés, mais ce sera des températures attendues de plus de 50 degrés. Donc il faut se préparer et il faut mettre le paquet pour limiter le réchauffement climatique. C'est une priorité. Bon, la semaine dernière, je vous parlais du premier texte, le projet de loi sur la situation sanitaire avec les mesures Covid que le gouvernement a fait examiner par l'Assemblée nationale. Je vous avais raconté que ce texte prévoyait en gros de demander aux parlementaires de transférer leur pouvoir directement au gouvernement pour que celui-ci puisse, en cas de résurgence de l'épidémie, prendre des dispositions exceptionnelles, nouvelles. Et je vous avais notamment parlé du discours de Raquel Garrido sur le sujet. Et vous avez peut-être vu ce qui s'est produit dans l'examen après, c'est que la configuration de cette nouvelle assemblée a permis de belles victoires. En effet, le gouvernement a été battu à plusieurs reprises. D'abord une première fois sur un amendement qui permet de supprimer l'éventualité du recours au pass sanitaire pour les mineurs. C'est une des victoires que nous avons obtenues. Mais plus tard dans la discussion, c'est carrément tout un article du projet de loi, l'article 2 qui est tombé. Article 2 qui prévoyait le recours possible au pass sanitaire aux frontières dans les transports et nous l'avons supprimé. Alors, on a entendu Madame Borne pousser des cris d'orfraie en disant « Oh là, au secours, l'Assemblée nationale empêche de faire des contrôles aux frontières en cas de résurgence de l'épidémie. » Non, on n'a pas dit qu'on était opposé à l'idée qu'il puisse y avoir des contrôles, par exemple des tests. On a juste dit qu'on n'était plus d'accord avec le recours au pass sanitaire dont vous savez qu'on le juge absolument inutile face à l'épidémie. Et M. Macron, dans son interview du 14 juillet, s'agissant de ce qui s'était passé à l'Assemblée, c'est-à-dire un projet de loi qui se fait dépecer d'un de ses articles, a parlé d'un coup de chaud nocturne. C'est-à-dire que pour ces gens-là, la démocratie, c'est un coup de chaud nocturne. Non, ce qui s'est produit à l'Assemblée, c'est ni une pagaille, ni un couac, c'est simplement le fait que le gouvernement a été battu parce que la configuration est nouvelle, elle est le fruit de vos votes, et elle fait, comme on l'a déjà expliqué, que le gouvernement actuel n'a plus de majorité à l'Assemblée. Et donc, il arrive qu'en effet, il soit battu sur des articles, et la mobilisation de la nouvelle Union populaire a permis ce résultat. L'amendement que nous avons voté, par exemple, sur le retrait du pass sanitaire, ou l'empêchement, plus exactement, qu'on l'utilise pour les mineurs, c'était un amendement, précisément, de Raquel Garrido. Alors, l'autre chose qu'on a observé, c'est que, dans le quinquennat précédent, on a été habitué, ici, à l'Assemblée, à un régime où, pendant que l'hémicycle travaille en séance sur un texte, vous avez les différentes commissions qui travaillent en même temps sur un autre texte, souvent le texte qui passera la semaine suivante dans l'hémicycle.
On a fait ça pendant 5 ans. Et moi, d'ailleurs, j'ai découvert assez récemment, en discutant avec d'anciens parlementaires, que ce régime était assez neuf en réalité, que la plupart du temps, les commissions ne travaillent pas en même temps que l'hémicycle. Mais pendant 5 ans, c'est ce qu'ils nous ont fait. Et comme ils étaient extrêmement majoritaires, ben, ils pouvaient se permettre d'avoir un hémicycle à moitié plein, avec toutes les personnes, les autres en commission, les autres parlementaires, et puis bah, tout ça avancer avec les Playmobil, comme vous savez, qui appuient sur les boutons ou qui lèvent la main pour faire passer les textes. Bon là, c'est autre chose, puisqu'en réalité, on a vu pendant l'examen du texte sur le Covid, que pendant qu'on commençait à travailler le texte sur le pouvoir d'achat en commission, il a fallu que toutes les demi-heures, les travaux de la commission soient interrompus pour retourner dans l'hémicycle, parce que précisément, ils n'avaient pas le nombre pour gagner leur vote. Et même en ayant procédé de la sorte, même en nous ayant fait suspendre régulièrement les commissions pour passer de la commission à l'hémicycle, eh bien, ils ont quand même perdu, notamment sur l'article 2 du PJL Covid. Donc désormais, il semblerait que le Sénat ait rétabli l'article 2, mais en dernier ressort, vous le savez, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot, donc ce texte va revenir et la bataille va reprendre. Alors, je parlais de l'interview du président de la République le 14 juillet, peut-être que vous l'avez suivi, c'était une interview dans les jardins de l'Élysée. D'ailleurs, il y avait pas mal de vent. Il y a plusieurs fois, on a l'impression que la table et les fiches allaient s'envoler. Et on a eu deux journalistes en face du président de la République, Anne-Claire Coudray et Caroline Roux, qui ont eu finalement bien du mal à imposer leurs questions à un président de la République qui, finalement, préfère les interviews sans journalistes et sans questions, c'est-à-dire en fait les meetings filmés à heure de grande écoute et en direct sur toutes les chaînes. Une interview qui était assez surprenante parce que, alors qu'Emmanuel Macron a été battu aux élections législatives et qu'il n'a plus de majorité, on ne sent pas le début du commencement du moindre infléchissement sur aucun des points de son projet. Moi, j'ai eu l'impression de voir l'interview d'un Emmanuel Macron du quinquennat précédent. C'est-à-dire il est exactement dans le même état d'esprit. Il a envoyé un signal clair, on continue, rouleau compresseur. Il a fallu que les deux journalistes, et on peut les saluer pour ça, s'y reprennent à 3 ou 4 fois pour imposer certaines questions. Par exemple, la question des salaires. J'y reviendrai après en vous parlant du projet de loi pouvoir d'achat, mais il a fallu qu'elle revienne à la charge extrêmement souvent pour faire entendre à Emmanuel Macron qu'il y avait quand même une question fondamentale sur les salaires dans la période. Bon, ça a été très dur. Pareil sur les super profits. 1, 2, 3 fois, et puis il en a parlé qu'à demi-mot. Mais surtout, on a eu un président de la République qui a confirmé et rappelé des choses qu'on avait déjà dénoncées par le passé. Par exemple, quand il dit « Oui, en effet, il suffit de traverser la rue pour trouver un emploi. » C'est-à-dire, encore une fois, de laisser entendre que finalement, le chômage de masse serait le fait de gens qui, précisément, n'ont pas envie de traverser la rue pour trouver un emploi. C'est pas bien de parler comme ça. Parce que le chômage, c'est d'abord et avant tout une souffrance dans ce pays. Et nous avons toujours, quoi qu'en dise le président de la République, sous les yeux, un chômage de masse avec 6 millions de chômeurs. Alors, on parle souvent, c'est vrai, des emplois non pourvus. Et c'est un lieu commun, ça existe. Il y a beaucoup de secteurs, c'est vrai, dans lesquels on a du mal à recruter. Alors, on pourrait peut-être s'interroger de savoir pourquoi est-ce qu'on a du mal à recruter. Est-ce que, par exemple, ce ne serait pas parce que les salaires sont trop faibles ou les conditions de travail trop dures et où les gens finissent par se dire « Est-ce que j'ai bien envie de consentir autant de sacrifices pour ce que je veux obtenir ?» Mais ça, bien sûr, Emmanuel Macron n'en parle pas. Vous savez que la plupart des contrats, 90% quasiment des contrats qui sont signés, sont des contrats courts, des contrats extrêmement précaires, qui vous font sortir des statistiques du chômage temporairement, mais vous y font retourner quasiment aussi vite. Vous avez des contrats de moins d'un mois, des contrats parfois de moins d'une semaine, d'un jour. C'est ça aussi la réalité du marché de l'emploi, comme ils disent. Mais revenons sur la question des emplois non pourvus. Oui, il y a des secteurs dans lesquels c'est difficile de recruter, c'est vrai, pour les raisons notamment que j'ai évoquées. Mais la réalité des chiffres, c'est que même en prenant les hypothèses hautes qui nous sont souvent servies du nombre d'emplois non pourvus, mettons, on parle de 300 000 emplois non pourvus, si vous les mettez en corrélation avec les 10 millions d'emplois créés l'année dernière, ça veut dire que 97% des emplois sont pourvus, donc ça va. Ça veut dire qu'une grande masse, une immense majorité des emplois, en réalité, trouvent preneur. Bon, la vérité, c'est qu'on diverge avec Emmanuel Macron sur comment on lutte contre le chômage de masse. Lui, il a fait un choix, c'est d'affaiblir considérablement le droit du travail, de rendre plus flexible, comme ils disent, le marché du travail, avec notamment ses contrats courts, de faire en sorte de mettre le paquet sur des emplois subventionnés, comme par exemple l'apprentissage, qui vous fait temporairement sortir du statistique du chômage, mais qui aboutit assez rarement sur des emplois pérennes et qui vous permettent une stabilité dans votre vie professionnelle.
Donc en fait, c'est simplement des effets statistiques d'abord et avant tout. Ce que les gens demandent, c'est de la sécurité, de la stabilité, des emplois pérennes. Et pour ça, il n'y a pas 50 solutions. C'est pas la politique d'Emmanuel Macron qui fonctionne. Il faut partager le temps de travail, faire en sorte de travailler moins pour travailler mieux et travailler toutes et tous. Et puis on parlait tout à l'heure de tout ce qu'il va y avoir à faire pour passer à la planification écologique. Ben, pour ça aussi, il va falloir mettre le paquet, et donc ça va être beaucoup de nouveaux emplois créés. Songez par exemple au nombre d'agriculteurs qu'il va nous falloir pour faire la transition de notre modèle agricole, passer à une agriculture paysanne. Tout ça va représenter beaucoup d'emplois. De même que sur la question de la transition et de la bifurcation énergétique. Nous, on croit davantage à ça, planification écologique et partage du temps de travail, plutôt que ce qu'est en train de faire Emmanuel Macron pour maquiller en quelque sorte les chiffres du chômage. Et alors, hier, dans l'hémicycle, il y a le député Sylvain Maillard. Quand on parlait du nombre de démissions qu'il y avait dans beaucoup d'endroits, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas satisfaits de leurs conditions de travail et qui démissionnent, ils disaient « bah oui, de toute façon, c'est assez simple, s'ils sont pas contents de leur rémunération, ils peuvent quitter leur emploi et puis aller travailler quelque part d'autre. » Comme si c'était si simple de changer de poste et de changer de travail. Comme si vraiment il y avait pléthore d'emplois qui correspondent aux souhaits des gens partout. Non, cela est peut-être valable dans leur monde de la start-up et dans certains milieux. Les milieux des DRH, les milieux du management, où là c'était un peu plus facile de trouver des postes. Mais pour la grande masse des gens, c'est extrêmement difficile. Et le chômage est une souffrance atroce à laquelle il faut mettre fin, avec beaucoup de conséquences derrière. Bon, et puis Emmanuel Macron, vous avez vu qu'il en a remis une couche sur la réforme de l'assurance chômage en disant qu'il voulait aller encore plus loin, c'est-à-dire pénaliser encore plus les chômeurs. Vous savez que le premier paquet de la réforme de l'assurance chômage a déjà provoqué le fait qu'il y a eu une perte en moyenne de 17% des indemnités chômage pour plus d'1,15 million de personnes. Ça veut dire clairement des tas de gens qui sont tombés dans la précarité du seul fait de l'application de cette réforme de l'assurance chômage. Donc ça n'est pas acceptable. Et puis pour enfoncer le clou, Emmanuel Macron a clairement annoncé la couleur. Il fera la réforme des retraites avec le recul de l'âge légal de départ, chose qu'il ne voulait pas faire en 2017. Son programme disait l'inverse. Et puis maintenant, bah, c'est décidé. En plus de tous les efforts déjà consentis par les Français, il va falloir travailler plus longtemps. Alors qu'en réalité, ça n'est absolument pas nécessaire, parce qu'on produit largement suffisamment de richesses pour financer plus de retraites à la condition qu'on partage. Et là, précisément, on va venir sur la question du texte pouvoir d'achat. Partager, c'est absolument pas ce qu'ils veulent faire, justement. Donc la réforme des retraites, on s'y tient prêt, on les attend au tournant. Il n'est pas question que les Français est à accepter une réforme qu'ils ne veulent pas, qu'ils sont une grande majorité à refuser, celle qui nécessiterait qu'on travaille plus longtemps. Bon, maintenant je vous parle du gros morceau de la semaine, c'est le texte sur le pouvoir d'achat. Alors d'abord, petit rappel des faits et de la situation qu'on a sous les yeux. On a une inflation, une hausse des prix qui est extrêmement forte. Elle est autour de 5% et beaucoup nous annoncent une augmentation encore de cette inflation pour la rentrée qui pourrait être à 6, 7, 8%. Ça veut donc dire clairement les choses. Quand les prix augmentent dans ces proportions, c'est les revenus, les salaires, mais aussi les allocations, les minima sociaux qui sont rognés d'autant. C'est donc une perte de revenus, tout simplement, la hausse des prix pour celles et ceux qui ont à la subir dans leurs achats du quotidien. Donc d'abord, et ça on l'a déjà dit, quelle est la source de l'inflation ? Ça n'est pas la guerre en Ukraine, qui est un facteur aggravant, mais qui n'est pas à l'origine de tout cela. C'est d'abord et avant tout des effets de marché, des effets de spéculation, qui permettent d'ailleurs, j'y reviendrai après, une inflation considérable des hyper-profits dans la même période. Certains profitent à mort de la hausse des prix. Le gouvernement n'a pas l'intention de faire quoi que ce soit pour juguler l'inflation à la source. C'est-à-dire que toutes ces mesures ne prévoient pas d'empêcher finalement la spéculation, de réguler, de faire en sorte de mettre à contribution la rente privée. Non, ça il ne veut pas le faire. Donc il laisse les effets de marché et la spéculation avoir cours et donc la hausse des prix se poursuivre. Première chose. Nous, à l'inverse, avec la nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, nous proposons le blocage des prix, dont on a entendu Bruno Le Maire nous dire « mais le blocage des prix c'est une folie, ça va coûter très cher à l'État, mais qui a dit que l'État paierait ?» Nous, on propose le blocage des prix qui fait que c'est la rente privée qui prend sa part de l'effort. Par exemple, Total, dont je vous ai répété à plusieurs reprises, qu'ils viennent d'atteindre des bénéfices records dans la période de crise que nous connaissons, qu'ils viennent de distribuer 16 milliards d'euros à leurs actionnaires, que leur PDG s'est augmenté de 52% l'année dernière, Monsieur Pouyanné. Quand on dit blocage des prix, on leur demande de faire l'effort, de prendre sur eux et sur leurs bénéfices pour permettre aux Français d'avoir un prix convenable, pas à l'État de compenser pour garantir la rente privée. Bref,
la hausse des prix, ils n'ont l'intention de rien faire contre elle. Donc ça va continuer. Et tout le monde nous annonce que ça va s'aggraver. Qu'à la rentrée, je l'ai dit, ça sera 7-8% peut-être. Vous allez avoir aussi des factures d'énergie dont on nous dit qu'elles pourraient augmenter de 50%. Tout ça va être extrêmement colossal. Et ça rend la vie impossible à un tas de gens qui ont à arbitrer entre des dépenses courantes du quotidien. Et c'est très dur. Même avec un salaire convenable aujourd'hui, souvent, vous ne vivez pas correctement. Avec le SMIC, on ne vit pas. Avec des salaires qui sont un peu au-delà du SMIC, pas davantage. Et vous avez pléthore de témoignages de gens qui montrent que même avec deux revenus, un foyer, c'est extrêmement difficile de s'en sortir, qui plus est quand on a des enfants. Donc, il y a vraiment une question de salaire qui est au cœur de tout cela. Bon. Et donc, dans ce contexte, le gouvernement fait examiner par l'Assemblée nationale un projet de loi qui prétend prendre des mesures d'urgence pour protéger le pouvoir d'achat des Français. Alors, regardons ce qu'il prévoit de faire. Est-ce que le gouvernement a l'intention véritablement de protéger votre pouvoir d'achat avec ce texte? La réponse est non. Et mon explication vaut piqûre de rappel et acte de résistance contre la propagande médiatique qui est en marche et qui dit « Regardez, c'est formidable ce que fait le gouvernement sur le pouvoir d'achat, il pose 20 milliards sur la table, etc. » Regardons. D'abord, ce texte procède de toutes les contorsions pour éviter la question des salaires. Monsieur Macron n'a pas envie de se mouiller dans la question des salaires, il n'a pas envie d'augmenter le SMIC, il n'a pas envie de convoquer les conférences salariales pour faire en sorte que les salaires augmentent. Bref, il ne veut pas faire ce qu'il faut parce que la plupart des gens qui travaillent réclament d'abord et avant tout de pouvoir vivre décemment de leur travail et en ont marre de travailler pour rien. Ce texte procède à toutes les subtilités pour qu'on évite la question des salaires. Alors, on a eu un grand débat sur le premier article qui prévoit de tripler le plafond de la prime Macron, vous savez. Alors, pareil, là aussi, il y a un grand mensonge. On entend à longueur d'antenne, Monsieur Macron triple la prime. Jamais de la vie, c'est un mensonge. Monsieur Macron ne triple pas la prime, d'aucune manière. Il triple le plafond de la prime. Et qui va toucher cette prime? Vous savez qu'actuellement, le plafond était à 1000 ou 2000 euros et que la moyenne de la somme qui a été touchée par celles et ceux qui ont touché la prime, et ils sont très peu nombreux, ça représente 4 millions de personnes sur 25 millions de salariés qui ont touché la prime, d'accord? Donc il y en a plein parmi vous qui sont des salariés qui ne l'ont jamais touché et qui, je vous le dis, ne la toucheront jamais. Et la moyenne, c'était 506 euros. Donc le fait de multiplier par 3 le plafond va ni faire que les gens vont être plus nombreux à la toucher par définition, ni que la prime va être plus importante. Ça reste au bon vouloir du patron. Donc c'est la loterie, cette affaire. Et les gens n'ont pas envie que leur sort soit scellé à la loterie. Ils veulent des augmentations de salaire, une sécurité. Et puis, instaurer une logique de primes, qui en plus sont des primes défiscalisées, désocialisées. Ça veut dire sans cotisation sociale. Ça veut dire qu'elles ne financent pas vos retraites, elles ne financent pas la maladie. Si vous allez à la banque un jour pour contracter un prêt, vous pouvez leur montrer vos primes, mais en réalité, c'est seulement vos salaires qui vont intéresser. Donc en fait, la logique de primes se substitue à la question des salaires. Donc on a eu quasiment 2 jours de débat et d'affrontement sur ce thème avec des macronistes sur deux qui ne veulent pas parler de salaire, mais des primes, des petits chèques. Mais la question des salaires, il ne faut pas en parler. Et puis, il y a leurs alliés dans cette affaire. C'est clairement le Rassemblement National qui vote avec eux, qui a définitivement renoncé à mener la bataille pour les salaires. Vous allez me dire, c'est assez cohérent avec le discours de Madame Le Pen, qui pendant toute la campagne présidentielle, quand on lui tendait le micro pour savoir si elle était pour ou contre la hausse du SMIC, disait qu'elle n'était pas favorable à la hausse du SMIC. Donc, ils ont voté avec eux pour ces primes. Sur le thème, oui, mais c'est mieux que rien. Non, la vérité, c'est qu'ils ont renoncé à mener la bataille pour les salaires. C'est ça, il n'y a pas eu d'intervention du Rassemblement National pour favoriser les augmentations de salaire. Il n'y a pas eu d'amendement pour mettre le gouvernement au pied du mur. Il y a juste eu l'acceptation de cette logique de primes qui est de notre point de vue, et je suis sûr que vous êtes nombreux à le partager, inacceptable. Les gens ne veulent pas des primes et des petits chèques, ils veulent des augmentations de salaire. Alors après, un peu plus loin, par exemple, à l'article 3, après les primes et les petits chèques, on a l'intéressement. Alors l'intéressement, c'est aussi la capacité à mettre en place des moyens de rémunération dans l'entreprise, mais encore une occasion de contourner la question des salaires. Et puis l'intéressement, c'est sceller le sort des salariés aux intérêts court-termistes des actionnaires. Et là encore, ce sont des dispositifs qui ne sont pas, qui ne cotisent pas à la sécurité sociale. Je crois que le manque à gagner est d'ores et déjà de plus de 1,20 milliard. Ça n'est pas supportable. Donc nous menons cette bataille avec la nouvelle Union populaire pour l'augmentation des salaires, à commencer par l'augmentation du SMIC, puis faire en sorte par les conférences de salaires qu'on augmente les salaires qui sont au-delà du SMIC et qu'on réduise l'écart dans la même entreprise de 1 à 20. Voilà, véritablement augmenter les salaires. Ensuite, ce projet de loi
prévoit des revalorisations qui sont inférieures à l'inflation. Alors là, pareil, on pourrait se dire c'est mieux que rien. Mais la vérité, c'est que M. Macron ne donne rien. Ces revalorisations, elles étaient déjà prévues. Même si le texte était refusé, vous les auriez. Elles arrivent. Simplement un peu plus tard, dans quelques mois. Mais M. Macron donne l'impression en grand prince de dire « Allez, j'augmente ceci, j'augmente cela ». Non, rien du tout. Il augmente rien du tout. Simplement, il dit « Bon, de toute façon, la loi m'obligeait, la règle m'obligeait à faire telle ou telle augmentation plus tard dans le calendrier. » Il avance le calendrier et se présente en bon prince qui a sorti le carnet de chèques pour revaloriser. Non, c'est pas ça qui se passe. Et en plus, ces revalorisations sont inférieures au niveau de l'inflation. Quand par exemple, vous revalorisez de 3,5% alors que vous avez une inflation à 5%, bah, vous admettez que le pouvoir d'achat va baisser. C'est ça la vérité. Donc ce projet de loi ne protège pas le pouvoir d'achat, il entérine la baisse du pouvoir d'achat et participe aussi d'une logique dangereuse. Je veux vous dire que la critique du projet de loi, c'est pas simplement qu'il est insuffisant. C'est pas le propos. C'est pas uniquement qu'il est insuffisant, c'est qu'il est dangereux. Par exemple, sur les loyers, ce texte prévoit une augmentation possible de 3,5% des loyers. C'est-à-dire qu'en plus de tout le reste, eh bien vous allez devoir subir des hausses de loyers supplémentaires. Alors que le gouvernement aurait pu, comme nous le proposons à la nouvelle Union populaire écologique et sociale, geler l'indice de référence des loyers et augmenter les APL de manière plus conséquente qu'il ne s'apprête à le faire. Donc, si on fait le bilan, un texte qui refuse la question des salaires, un texte qui procède à des revalorisations qui de toute façon sont déjà programmées, même sans ce texte, qui sont inférieures à l'inflation, qui refuse la question des salaires et de la taxe sur les super-profits des grandes entreprises et des milliardaires, qui refuse de mettre à contribution les profiteurs de crise, qui en plus profite de l'occasion pour nous faire passer un certain nombre de mesures inacceptables du point de vue écologique. Par exemple, l'installation du terminal métallier, c'est clairement avoir pour objectif à court terme de vous faire avaler le gaz de schiste américain liquéfié qui est écocidaire ou de prévoir par exemple le recours pendant un temps plus important aux centrales à charbon parce que le gouvernement n'a rien prévu, rien programmé et est à la bourre comme on l'a dit tout à l'heure sur la question du renouvelable. Donc dans ce texte il y a ça aussi pour le pouvoir d'achat. Donc ça n'est pas un texte pour le pouvoir d'achat. Et donc en l'état, les députés de la nouvelle Union populaire écologique et sociale ne peuvent pas soutenir un tel texte. Le gouvernement est entré dans le débat, c'était Bruno Le Maire, lundi, en disant à l'Assemblée nationale « Je suis prêt à tous les compromis ». La vérité, c'est qu'ils n'en ont fait aucun. Si vous faites le bilan des premières heures, des premiers jours de débat que nous avons eus, l'ensemble des amendements de l'opposition et de la nouvelle Union populaire écologique et sociale pour le pouvoir d'achat, qui sont des amendements assez largement traduits de notre proposition de loi face à l'urgence sociale, ont été refusés, tous. Il n'y a pas le moindre compromis, pas le début de l'ombre d'un compromis. Même quand ce sont des amendements de repli, ils ne les prennent pas. Donc non, ils n'ont pas l'intention de faire de compromis. Et puis, ce qu'il y a de vraiment inacceptable, c'est qu'il y a une inflation dont ils refusent de parler, qui est plus importante encore que la hausse des prix. C'est la hausse des profits et c'est la concentration de richesses entre quelques mains pendant qu'une masse du peuple français souffre. Ça n'est pas acceptable. Je vous disais la semaine dernière que les 500 plus grandes fortunes de France ont doublé leur patrimoine en l'espace d'un quinquennat, celui de M. Macron, qui a fait beaucoup de cadeaux fiscaux aux plus riches et aux grandes entreprises sans contrepartie. Elles sont passées, ces 500 fortunes, de 500 milliards à 1000 milliards de patrimoine. 1000 milliards, c'est deux fois et demi le budget de l'État. Voilà la réalité. De la même manière, en période de Covid, les milliardaires de ce pays ont accumulé 236 milliards d'euros de plus. La France est championne des dividendes versés aux actionnaires. Le CAC 40, les grosses entreprises, au titre de l'année 2021, c'est 80 milliards d'euros de dividendes versés aux actionnaires. On ne pourrait pas les mettre à contribution, cela, dans une période qui est censée être une période de crise, de guerre même, a dit M. Macron à plusieurs reprises. Et puis, les salaires qu'il acceptent de voir enfler, c'est ceux des grands patrons du CAC 40. Regardez un instant. Les grands patrons du CAC 40, est-ce que vous connaissez leur rémunération moyenne? C'est 8,7 millions d'euros par tête de pipe en moyenne. C'est une augmentation de 90% depuis 2020. Est-ce que beaucoup parmi vous ont connu une augmentation
de 90% de leur rémunération depuis 2020. Et ça, Monsieur Macron ne veut pas qu'on en parle. Il préfère des petites miettes pour le peuple pendant que quelques-uns profitent à fond et accumulent les profits, y compris sur le dos de la hausse des prix. Et il passe les débats à se cacher derrière les petits pour justifier les cadeaux aux gros. Par exemple, ils le font souvent, les entreprises. Mais en fait, quand ils parlent des entreprises, c'est pas la même chose de parler des petites PME, TPE qui payent l'impôt et qui souvent sont en difficulté, et des grosses sociétés qui profitent à plein et qui souvent ne payent pas l'impôt. C'est pas la même chose de parler des gros contribuables, les 500 fortunes les plus importantes de France, et de parler de la grande masse des Français qui ont besoin d'être soulagés. Non, c'est pas la même chose. Voilà, donc nous menons la bataille, mais nous disons qu'il est urgent que le gouvernement revoie sa copie. S'il souhaite trouver des compromis, s'il souhaite faire œuvre utile pour le pouvoir d'achat des Français, eh bien, il y a un certain nombre de lignes rouges qui, pour nous, sont absolument infranchissables. Il faut augmenter le SMIC à 1500 euros. Il faut revaloriser les minima sociaux au-delà du seuil de pauvreté pour éradiquer la grande pauvreté en France. Il faut geler les loyers et augmenter les APL de 10%. Voilà autant de propositions que nous avons, il y en a d'autres, mais qui véritablement œuvrent à la protection du pouvoir d'achat. Vous savez, dans quelques semaines, même si ce texte est voté, tout le monde va se rappeler que les miettes sont insuffisantes et que ce texte a permis des baisses de pouvoir d'achat encore plus considérables. Donc en l'état, il n'est pas acceptable. Alors à eux de prendre leurs responsabilités s'ils veulent faire, comme ils le disent, des compromis et la co-construction. Là, pour l'instant, ils ne bougent rien. Bon, je vous rappelle qu'à la fin de l'été, on se retrouve à Valence, aux amphis d'été de la France Insoumise. Donc inscrivez-vous pour les plus jeunes d'entre vous. Ça commence, je crois, le week-end du 21 août avec les amphis jeunes. Il y a déjà beaucoup d'inscriptions, mais il y a encore de la place, donc vous pouvez vous inscrire. Et puis après, pour tous les autres, à partir du 25 août et jusqu'au 28 août, ce sera à Châteauneuf-sur-Isère, toujours près de Valence. Ça va être un beau moment, il y a beaucoup d'inscrits déjà, donc n'oubliez pas de le faire. J'aurai grand plaisir à vous retrouver là-bas après une pause qui va être assez courte, je crois, au vu des débats à l'Assemblée. Et puis enfin, bien sûr, si vous aimez ce format à l'actu, si ça vous convient, ou pas d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez, mais dans tous les cas, rejoignez celles et ceux qui sont déjà abonnés, abonnez-vous à la chaîne YouTube et puis faites-la connaître autour de vous. À la semaine prochaine!